Привет et d'abord, Pacha Lavat. On se retrouve aujourd'hui pour réagir à une chanteuse qui s'appelle Victoria Tcherensova. J'espère que vous allez apprécier. Donc, si jamais vous voulez ne manquer aucune vidéo qui sorte de la chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner, à cocher la cloche des notifications. C'est très important, même si je le répète tout le temps, ça peut devenir embêtant pour vous. Mais il faut, pour développer la chaîne, que il faut que vous cochiez la cloche des notifications parce que vous ne recevez pas les vidéos, vous ne pouvez pas les voir, vous n'allez pas vous rappeler que vous êtes abonné à ça. En fin de compte, ouais, vous allez être un abonné mort. Et ce n'est pas le but de la chaîne. Il faut vraiment que les abonnés participent, regardent les vidéos, puisque si vous vous abonnez, c'est que le contenu vous plaît. Voilà, donc après. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce que je fais et je vous en remercie grandement. Je remercie d'ailleurs grandement les 49 000 personnes qui sont abonnées à mon compte et qui continuent à me suivre. Pas forcément tous, mais j'ai des habitués qui viennent souvent et souvent. Et franchement, n'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, de me proposer des vidéos, des nouvelles de. Comme je vous le dis, vous êtes de fan de un tel ou un tel, il vient de sortir une vidéo, n'hésitez pas à me le proposer, je vais réagir de suite sur cette vidéo. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Victoria Tcherensova, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec la playlist des titres. J'en ai fait quand même pas mal. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup parce qu'elle est tellement nature, elle a chanté dans sa voiture. Et elle a vraiment une très bonne voix et elle fait ressentir énormément de choses. Donc là, c'est vrai que je suis un tout petit peu long. Donc si jamais vous voulez en connaître plus, n'hésitez pas, descendez dans la description. Le premier lien, c'est sa chaîne YouTube. Le deuxième lien, c'est le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Et la vidéo sur laquelle je vais réagir, elle s'appelle Voy. Donc j'espère que vous allez apprécier. Je ne la connais pas. Si jamais vous voulez, en cas où ça soit bloqué, flouté, quoi que ce soit, ça m'étonnerait, mais bon, le deuxième lien, c'est le lien de la vidéo et ça vous permet d'avoir accès à la vidéo originale sans le floutage. Sinon, si vous voulez aider la chaîne, tous les liens sont dans la description, ainsi que mon YouTube, mon YouTube, mon VK, mon Telegram, mon Instagram pour communiquer avec moi. Donc, n'hésitez pas à y aller. Franchement, on agrandira encore plus la communauté, on pourrait discuter et partir sur d'autres projets. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées pour la chaîne, je suis ouvert à tout. N'hésitez pas. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après les 4 minutes 37 de Dvoy de Victoria Tcherensova. On se retrouve tout de suite. À tout de suite pour mon ressenti. Добром стояли двое с ведром, желая блага набрать. И каждый мог столько взять, сколько мог унести, чтобы душу спасти. А вода непроста, если воля чиста, напоит до сыта. Если жар не родив и нечестен мотив, обжигает уста. Пожинай, то потом пожинай. А-а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 -
вернулись домой. Словно дно у реки предо мной, вы ноги ложь и маски долой. И склонивши чело, все, что в сердце взошло, сбив гордыни спесь. Прикоснитесь губами к холодной воде, показав, кто вы есть. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette interprétation de Mademoiselle Victoria Tcherensova. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, parce que franchement, j'ai été très agréablement surpris à chaque fois que je l'entends chanter, Victoria, en lui manquant pas de respect, évidemment. Je l'appelle par son prénom, parce que répéter à chaque fois le nom... Ça va être long à corriger sur YouTube, parce que YouTube ne comprend pas forcément tout. C'est un robot non intelligent. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'adore. Je peux vous dire, cet interprète qui a une voix si... Alors, elle va pas aller dans les aigus, mais elle a une voix... Alors, dites-moi quel style de voix, parce que c'est vraiment une voix grave, je trouve, et elle vous transmet énormément de choses, et elle compte les choses, et c'est le but de la chose de faire ça et de transmettre des émotions pendant tout le truc. Mon cœur, il accélérait. Franchement, c'était super appréciable par rapport à la musicalité de la chanson, son interprétation. J'ai vraiment, et quand je vous dis ça, c'est vraiment, j'ouvre mon âme et la musique me pénètre et fait le travail qu'elle a à faire. C'est vrai, c'est-à-dire vous rendre joyeux, vous, enfin voilà, de vous, je ne sais pas comment expliquer. Je dis simplement qu'il faut simplement, on peut ne pas connaître
effectivement une langue de fond en comble comme le russe, mais en ouvrant son cœur et son âme, la musique vous pénètre et forcément vous vous sentez. La musique est universelle, donc on peut très bien le comprendre. Évidemment, je ne comprendrai pas forcément tout le fond de la chanson. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai grandement apprécié. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup à la personne qui m'a proposé Victoria Cherensova, parce que franchement, c'est une incroyable artiste. Franchement, je le pense sincèrement. Et on se retrouve demain sans faute pour la prochaine vidéo. Je vous aime vraiment très fort et à demain. Отцу мне слова не к лицу, есть поступки и честь. Усмехнулся второй, что же робость, долой всех послуг и не счесть. И не